Je m'appelle Morgane Berchet, je suis pilote de moto depuis que j'ai 3 ans. Donc je fais ça depuis très longtemps, c'est une passion familiale et aujourd'hui je suis équipé d'airbag InMotion. Je cours en championnat de France Superbike en 1000 et je fais également le championnat du monde d'endurance en 1000 également. Ouais, je suis pilote Ixon depuis très longtemps, je dirais à peu près 5-6 ans, mais je suis pilote officiel Ixon depuis 2 ans, depuis que j'ai l'airbag. C'est une chute bête à la base qui est venue d'une erreur de moi-même. Une chute qui était malgré tout à 150 km/h. Et là, on a remarqué que l'airbag s'était déclenché à la vitesse de 100 km/h à laquelle j'étais. Je suis allé heurter le mur du fond du bac à gravier. Là, tout de suite, j'ai ressenti que je m'étais cassé le sacrum. Mais partout où l'airbag était, j'ai ressenti aucune douleur. C'est plutôt ça qui est positif quand on heurte un mur. J'ai perdu un petit peu la notion de où j'étais. J'ai même pas senti sur le coup que l'airbag s'était déclenché. Je l'ai su que après. C'est encore ça qui est le plus impressionnant, c'est que moi je l'ai pas ressenti et malgré tout il a été efficace. C'est quelque chose qui me rassure et je ne veux plus rouler sans. Et en termes de confort, c'est tellement une fine toile, un petit peu de plastique. Aujourd'hui, ça se sent pas dans nos mouvements, donc c'est d'autant mieux. On le ressent un petit peu juste quand il se gonfle. Je me suis pas arrêté. Le lendemain, j'ai quand même été au travail, mais c'est sûr que c'était compliqué. Mais après, la saison s'est suivie et j'ai pu louper aucune course. Moi aujourd'hui, je sais pas vraiment comment me situer, mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, quand je remonte sur une moto, si mon airbag n'est pas activé, je me sens pas en sécurité. D'ailleurs, je ne pars plus avec un airbag qui est non activé. Je suis Morgane Berchet et je suis à plus 583 jours.